nous a régalé en première semaine, il continue de nous régaler pendant ses vacations et sur les réseaux. Jean Le Cam n'est plus leader du Vendée Globe depuis quelques jours maintenant au profit d'Alex Thompson sur Hugo. La question c'est pourquoi commence-t-il à perdre autant de terrain sur les Foilers maintenant qu'on est entré dans l'hémisphère sud ? Pour répondre à la question, il faut d'abord se demander comment Jean Le Cam a pu tenir jusqu'ici, comment il a pu être leader, comment il a pu vraiment rivaliser avec Alex Thompson, Thomas Rullian et Charlie Dalin, entre autres. Et la réponse se trouve peut-être dans la manière dont ces marins à bord de bateaux supposément plus rapides ont abordé ce début de Vendée Globe. Leur performance sur mer plate par rapport aux indicateurs était de 30 à 40%. Moins élevé que ce qui était attendu. Alex Thompson n'a pas battu son record à l'Équateur, par exemple. Il a mis une demi-journée de plus que sur le Vendée Globe 2016. Donc, les Foilers ne se sont pas pressés au début de la course pour pousser leur machine à 100%. Mauvaise nouvelle pour les supporters de Jeannot, ça risque pas de s'arranger quand les skippers, quand la flotte passera le cap de Bonne-Espérance direction les mers du Sud où, comme nous l'explique Michel Desjoyeaux, ancien double vainqueur de la compétition, de l'épreuve, les systèmes météo seront beaucoup plus favorables aux bateaux foilers si tant est que les marins choisissent les bonnes options météo, mais ils se retrouveront avec beaucoup de perturbations dans leur dos qui leur permettra d'atteindre des vitesses élevées pendant suffisamment de temps pour faire des journées entre 500, 600 milles peut-être s'ils décident de pousser leur machine au maximum. Donc Jean Le Cam ne pourra a priori pas rivaliser avec ces machines, mais de toute façon depuis le début son objectif est clair, c'est de terminer en tête du classement officieux des bateaux à dérive droite, ce qu'il devrait être en mesure de réaliser.